Quoi lui dire s'il ne veut pas s'engager? Quelle phrase va faire en sorte que soudainement vous allez savoir si cet homme-là veut vraiment avoir une relation sérieuse avec vous ou pas? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur et j'ai créé Attractitude comme un site par excellence pour vous aider à améliorer tous les aspects de votre vie personnelle et aussi professionnelle. Alors, je reçois parfois cette question, à savoir, ça fait quelque temps que je sors avec cet homme et je ne sais pas s'il est sérieux, s'il veut s'engager, on n'en parle pas, mais j'ai peur d'en parler, je ne sais pas trop quoi faire et comment aborder le sujet, je ne veux pas le brusquer, j'ai peur que si je lui pose la question, il va s'enfuir. Vous savez que les hommes, quand on leur parle d'engagement, c'est un peu comme si les fantômes sortaient de tous les armoires et beaucoup d'hommes vont s'enfuir. Sauf les hommes qui sont vraiment intéressés à vous conserver, à vous garder. Mais même ceux-là, souvent, ne connaissent pas la réponse à cette question parce qu'ils ne se posent pas ce genre de questions-là. Okay, ils vivent au moment présent avec une femme jusqu'à temps qu'ils développent vraiment des émotions très fortes. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont probablement mener le bateau et vous demander d'avoir une relation plus sérieuse et d'avoir un engagement. Mais avant ce temps-là, la femme, souvent, elle, va avoir un engagement beaucoup plus rapide que l'homme. Pour l'homme, tant que les choses vont bien, tant qu'on s'amuse, tant que tout se passe comme il faut, il a sa liberté de son côté, il a sa copine de son autre côté, pourquoi est-ce qu'il devrait s'engager? Il n'en voit pas nécessairement la nécessité. Alors, comment aborder le sujet avec un homme pour avoir votre réponse sans nécessairement le brusquer et sans nécessairement avoir l'air de la fille désespérée qui veut absolument un engagement de la part de son homme? Alors, c'est très simple. Premièrement, il faut que vous soyez vraiment cool cette journée-là. Prenez un bon bain, relaxez-vous, allez au spa, faites ce que vous voulez. Et soyez vraiment de bonne humeur et relax surtout. Et préparez-vous mentalement à tous les scénarios possibles pour ne pas justement faire une crise de nerfs si vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez recevoir. Alors ça, c'est très important parce qu'une relation n'est jamais finie. Donc même si la réponse que vous avez reçue n'est pas celle que vous souhaitiez, vous devez garder votre sang-froid. C'est ça qui est important. Vous ne devez pas disjoncter. C'est ça qui va le faire fuir souvent. Quand il voit une fille qui disjoncte, il va se dire « mais ça va pas, je veux pas vivre avec une folle comme ça. » Au contraire, heureusement que je me suis pas engagée avec cette fille-là. Ok, donc, quelle est la phrase miracle à dire? Eh bien, c'est très simple, vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas besoin de dire « j'ai besoin de te parler » parce que là encore, les hommes se disent « oh là là, qu'est-ce qu'elle va me raconter encore ?» À la place, vous pouvez tout simplement dire « mais j'ai beaucoup réfléchi. » Et moi, je suis prête d'avoir une relation à long terme. Et ce que je veux, c'est une relation engagée avec un homme. Vous ne dites pas que c'est avec lui, vous dites avec un homme. Parce que sachez très bien, mesdames, que si ce n'est pas lui le bon, il y aura le bon qui va se présenter. Donc, ne misez pas tout sur lui et sur sa réponse à lui. Vous lui laissez l'ouverture, vous lui laissez la liberté de répondre ce qu'il a envie de répondre, d'être libre là-dedans. Il va beaucoup plus vous apprécier d'avoir cette capacité-là. Alors, mordez-vous la langue, mordez-vous l'intérieur de la joue, faites ce que vous voulez pour rester calme et garder votre sang-froid. Mais ce que je vous demande, c'est ça. Donc, vous démarrez en disant ça, vous démarrez en disant voilà. Et c'est la vérité, c'est ce que vous voulez. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est parce que, évidemment, vous voulez avoir une relation qui va aller plus loin, une relation... Mais en fait, ce que vous voulez, c'est pas nécessairement l'homme. Ce que vous voulez, c'est la relation avec un homme qui vous traite comme il faut, qui vous aime, qui vous respecte. Donc, si c'est pas lui, ce sera un homme, un autre. Mais vous, ce que vous voulez, c'est la relation qui va vous permettre d'être épanouie, d'être heureuse, d'être choyée, d'être dans une relation engagée qui vous fait du bien. Donc, vous dites tout simplement la vérité. Je veux avoir une relation. Moi, mon but, c'est d'avoir une relation avec un homme qui va me traiter avec respect, tout ça. Et une relation engagée, où est-ce que deux personnes s'aiment et s'engagent et ont une relation beaucoup plus sérieuse, où est-ce que on est monogame, etc. À ce moment-là, vous dites « je t'aime bien,
T'es quelqu'un de super sympa, on s'entend bien, on rigole bien, on s'amuse bien ensemble et tout. Et j'aimerais savoir si toi, tu penses la même chose que moi et si tu as envie d'avoir une relation engagée avec moi ou bien si je devrais continuer à accepter les offres d'autres hommes de sortir avec d'autres hommes. Et là, ça fait kaboum dans la tête d'un mec, okay? Parce que quand un mec est vraiment attaché à une fille, il veut pas qu'il y ait de danger, que quelqu'un d'autre lui fauche la fille. Les hommes qui veulent pas s'engager, mais qui veulent garder une fille, ce qu'ils font, ils vont défendre à la fille de voir qui que ce soit d'autre, mais ils vont jamais s'engager dans une relation. Okay? Dans ce cas-là, son territoire est protégé et lui, il s'en fout parce qu'il dit de toute façon, la fille reste avec moi parce qu'elle n'a pas d'autre mec. Donc, j'ai bien assuré ça, qu'elle va être qu'avec moi. Et moi, je peux prendre mon temps autant que je veux parce qu'elle est désespérée, elle n'aura personne d'autre. Okay? Vous ne pouvez pas rentrer dans ce jeu-là, vous devez mettre les cartes comment vous voulez que les choses se passent. Dans ce cas-là, vous lui expliquez que, voilà, ça ne veut pas dire que je vais coucher avec d'autres hommes, ce n'est pas vrai. Je vais juste entretenir les offres des autres hommes. S'il vous dit, ouais, ok, pas de souci, vas-y, il n'y a pas de problème, moi aussi, de mon côté, je vais faire pareil, alors, ravalez votre énervement, votre angoisse et tout ça, et faites ainsi. Même si vous n'avez pas rencontré d'autres hommes, même si vous ne rencontrez pas d'hommes, devenez une personne différente. Donc ne soyez plus aussi disponible pour lui. Détachez-vous de lui. Parce qu'il est fort possible que justement, il ne veut pas avoir de relation engagée avec vous. Il y a deux choix. Soit il ne veut pas de relation engagée avec vous, alors tant mieux si vous partez parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation engagée. Et si il veut une relation engagée avec vous, mais il n'en est pas encore au courant, il ne sait pas encore, le fait que vous lui avez dit ça et le fait que vous deveniez plus aussi disponible, ça va le faire agir, ça va le faire réagir, il va revenir en courant pour vous dire que oui, il veut une relation avec vous. Le meilleur moment pour avoir ce type de conversation-là, c'est quand vous sentez que vous commencez à être attaché à cet homme. Il faut savoir, mesdames, qu'est-ce que vous voulez vraiment et ne pas être désespérée. Et ne pas vous sentir que si c'est pas lui, ben, il n'y en a pas d'autre. Donc, avant que vous commenciez à être super attaché à un homme, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez de cette relation-là, qu'est-ce que vous voulez avec cet homme-là. Et il faut mettre les cartes sur table et il faut avancer de la manière dont vous voulez que votre vie avance. Alors, j'espère que ça vous aide. Et si c'est le cas, eh bien, partagez cette vidéo, faites-en profiter vos copines et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et aussi venez sur attractitude.com. Vous pouvez vous abonner, il y a une infolettre gratuite avec plein d'infos ou bien regarder les produits aussi que j'offre et les services qui permettent une grande amélioration dans la vie des gens qui les utilisent. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt.